Bienvenue pour une nouvelle critique. Me revoilà, et c'est pour encore vous parler de violence faite aux femmes. Hey. Ouais, quand j'ai une idée, j'en ai pas deux. Cette violence, elle existe partout, dans toutes les villes, même à Montrouge. J'en suis persuadé. Il y a certaines personnes, je suis sûr, que leur mari est violent, mais comment le prouver? Comment le prouver? Alors ce que moi je fais, modestement, sur ma voiture, il y a une feuille avec les numéros de téléphone. Le 3919, etc. Pour venir en aide aux femmes victimes de violence. Comme ça, s'il y a une collègue ou quelqu'un qui passe et qui voit ce numéro, peut-être que. Sinon, même sur mon casier, il y a leur numéro de téléphone. C'est important, pas pour moi, mais pour elle. Pour sauver une vie. Parce qu'il y a des femmes qui en meurent. Cette année, on est à 10 victimes de féminicide. C'est déjà 10 de trop. Et à Montrouge aussi, il y a des victimes de violence. Je suis sûr, je suis persuadé. Et pas seulement physique, mais psychologique. J'ai une collègue, une très chère amie. Je dirais son nom qui a été victime de violence. Elle a dû partir pendant que son agresseur continue à vivre normalement. Et pourtant, leurs patrons sont parfaitement au courant. Je ne vais pas accuser ces patrons parce que ils peuvent peut-être rien faire, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, j'aurais aimé faire quelque chose. J'aurais aimé que ce salopard se retrouve en taule, qu'il perde son boulot. Que ce soit lui qui parte, pas elle. Et je peux pas aller loin avec sa figure. Je peux pas. Sinon, c'est moi qui irai en taule. En plus, je vais perdre mon boulot, quoi. Il y a aussi des parents, des mères de famille qui, je pense, sont victimes de violence. Mais comment prouver? Comment? À Montrouge aussi, il y a de la violence. Merci de m'avoir écouté et j'espère que la prochaine critique sera moins triste. Rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt. Qu'est-ce que vous avez vu chez Alcrobec ?